coach parce que dans la défaite, on peut apprendre pas mal de choses. On peut apprendre surtout qu'on peut commencer un match de la façon dont on l'a fait. Si on veut finir la saison bien, à un moment donné, on a fait beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables autant offensivement que défensivement dans un match très important. On en a payé de lourdes conséquences et après, c'est très très dur de remettre la barque à flot quand t'es à 24-0, je crois qu'on était, ou 26-4 à la mi-temps. C'est vraiment très très dur, donc il faut en tirer beaucoup d'enseignements très très vite parce que les échéances qui arrivent sont vraiment très très importantes pour ce groupe. Bien sûr, c'est de bons matchs qui nous attendent. Salford et Widnes à l'extérieur avant la réception de Dercy et le dernier déplacement à Leeds. Donc c'est 4 matchs très très importants. Dans la situation où on est, je pense que tous les points vont compter. Donc il faut absolument qu'on se prépare. On a la chance cette semaine d'avoir une semaine assez longue de préparation où on pourra vraiment passer tout au peigne fin. Donc aujourd'hui on s'est bien entraîné, il faut qu'on remette ça demain et essayer de régler au plus vite les erreurs qu'on a pu commettre contre UQR la semaine dernière. Cette année, dans la nouvelle configuration, je pense qu'il n'y a pas un seul match facile. On l'a vu contre Wakefield ici avec un nouveau coach. Salford avec les ambitions qu'ils avaient en début de saison, la position qu'ils sont à l'heure actuelle. Mais bon, ils commencent à reprendre un peu de monde. Ils ont fait leurs deux derniers matchs, ils jouent demain, mais leurs deux derniers matchs étaient contre Saint-Hélène, c'est contre Ugan. Et ils ont perdu de 7 points contre Ugan, ils ont perdu je crois de 10 ou 12 points contre Saint-Hélène. Donc individuellement, ils sont vraiment dangereux, surtout avec le retour de Rangi Chase. Maintenant, nous, avec le potentiel que l'on peut avoir si l'on est appliqué et offensivement et défensivement, je pense qu'on a un groupe qui peut faire quelque chose là-bas. Maintenant, il ne manque plus qu'à le confirmer.